Bonjour Obi-Wan. Bon, je t'ai écrit des excuses, Obi-Wan, hein, parce que j'avais mal compris. Maintenant que Cœur d'Artichaut m'a expliqué, évidemment, je vois les choses d'une autre manière, évidemment. Il y a plusieurs angles sur lesquels on doit regarder les choses, donc vas-y, en regardant sur un autre angle, on comprend d'une autre manière. Voilà. Alors, je m'excuse, hein, je me suis un peu emballé, c'est vrai. Voilà, c'est mon caractère de taureau, hein, de tigre, évidemment. Hein. Ah, comme on dit, tourner la langue 7 fois dans la bouche. Eh ben, je ferais bien aussi de réfléchir 7 fois avant de m'emballer. Ouais, c'était pas méchant, remarque, hein, mais bon, quand même. Donc, je tiens à m'excuser, hein. Encore et encore. Je te fais plein de gros bisous, Obi-Wan. Ah, j'ai encore un petit restant, hein, sur mon caractère. Disons que ça me permet de... C'est mon instinct de survie, disons, qui prend le dessus. Ouais. Je vis tout le temps sur les nerfs ici, donc vas-y, hein, avec un trou du cul là qui se fout tout le temps de ma gueule, donc évidemment, je suis toujours sur les qui-vivent, moi, vas-y. L'instinct de survie. Excuse-moi, Obi-Wan. C'était pas méchant de ma part. Pas du tout. J'ai du caractère, vas-y, hein. Ah là là. J'étais bien pire dans le temps, hein. Mais j'ai acquis quand même de la sagesse. Oh la vache. Heureusement, qu'est-ce que ça serait, hein, Obi-Wan? Faut bien que je plaisante un peu quand même. C'est vrai quoi, Obi-Wan, t'as des connaissances que j'ai pas, et moi j'ai des connaissances. Enfin bref, tu me comprends. J'ai pas tes connaissances, t'as pas les miennes, on a chacun nos trucs, et puis on peut être d'accord sur des trucs, mais moi je m'emballe, je m'emballe. Ben oui. Moi je lis un truc une fois, deux fois, et puis je me dis j'ai compris. Maintenant, ben fallait le lire une troisième fois, peut-être que j'aurais compris. Mais bon, je me suis emballé, voilà. Évidemment. Comme tu regardes dans un prisme ou dans une pierre taillée à plusieurs facettes, il faut savoir regarder dans toutes les facettes pour voir si on voit la même chose. Ben voilà. Ah là là. Ben ouais. On dirait qu'il y a une espèce de pollution là, dans l'air. Je sais pas, je vois peut-être mal de là, j'en sais rien. En tout cas, il y a du vent. Puis le 19, il y a la lune bleue, une lune bleue spéciale, et elle sera vraiment bleue. C'est rarissime. Sinon, normalement, une lune bleue, c'était la lune. Et par exemple, il y avait 12 lunes, et la 13e, il y avait une 13e lune, et puis c'est celle qui était en plus qu'ils appelaient ça une lune bleue. Mais elle n'était pas bleue comme on la regardait. Mais là, il va y avoir une spéciale lune bleue qui sera vraiment bleue au regard, et je crois que c'est le 19 mai, je crois. Ça va être génial à regarder. Alors, si vous avez des horoscopes, des télé, des... Comment on appelle ça? Des trucs qu'on regarde dedans, là. Je suis même plus capable de me rappeler. Des télescopes, voilà, des télescopes. Aïe, aïe, aïe. Eh ben, vous allez pouvoir regarder, même avec des jumelles, des bonnes jumelles, ça marche. Ben, j'aurais au moins vu. Ben, la rose, je ne l'ai pas vue. C'est pas grave. Parce qu'il y en avait une rose, à ce qui paraît. Entre le rose, le rouge, et puis gris, et puis bleu, ben, non, elle va passer par toutes les couleurs, la lune. Sinon, en 2024, je crois, après, il y en aura une autre lune. Ben, des phénomènes comme ça, des fois, tu peux attendre 2000 ans avant qu'il y en ait des trucs extraordinaires. Hein. Enfin, en tout cas, celle-là, la lune-là que je te parle, la bleue, là, ça va être. C'est rarissime de chez rarissime. Parce qu'elle a les trois trucs.
Je sais plus ce que c'est, les trois trucs. Elle est bleue, mais elle est vraiment bleue. Et puis, spécial, spécial, quoi. Alors, je sais pas. Est-ce que ça joue sur beaucoup de choses, que la Lune sera de cette couleur-là, tout ça? Je sais pas. On verra bien. Voilà, Obi-Wan. T'as le droit de me dire, va te faire foutre hein, si tu veux, hein, t'auras raison. Même si je t'ai pas manqué de respect, hein, vas-y. Ah bah je suis conne, hein, je vais pas dire le contraire des moments, hein, vas-y. Ben disons que je réfléchis plus vite que l'éclair, enfin je sais plus comment qu'on dit. Hein, je vais plus vite que la musique, moi, vas-y. Alors évidemment, hein. Bah ouais. Oh, au fait, Obi-Wan, Jésus-Christ, il était le roi des Juifs, hein, il était juif là-bas, il était rabbin. Donc il y avait des Juifs qui étaient des vrais Juifs, ils le suivaient, hein. Par contre, les faux Juifs, ils n'étaient pas d'accord avec lui, hein. Ils se faisaient passer pour Juifs, il y en a, mais ils n'y étaient pas, hein. Et puis il y a tous les autres, là, vas-y. Il y a aussi des Grecs qui l'ont suivi, et puis d'autres gens, hein, qui ont été apôtres et tout ça, enfin bref. Ah oui. Enfin, bref. Moi, dans ma famille, il y a de tout, hein. Ah ouais, j'en ai des juifs dans ma famille. Moi, j'ai sûrement du sang juif aussi, hein, il n'y a pas de raison, mais il y a tellement de mélange de sang dans ma famille que, vas-y, il y a de tout, hein. Ouais, c'est pas le moment de parler, toi, vas-y, je suis en train de faire une vidéo, là, t'as qu'à pleurer moins fort, hein, vas-y, toi. T'en as marre, ça fait combien de temps t'en as marre? Chaque fois que je fais une vidéo, faut toujours qu'il fasse quelque chose, celui-là. S'il passe pas l'aspirateur, il faut qu'il parte. Bah, si t'es dans la vidéo, tant pis pour toi, hein. Ouais. T'as qu'à en faire, toi, des vidéos sur YouTube, cette bidule, là. Hein? Ouais, y a pas de danger qu'il en fasse. Oh, excusez-moi. L'autre, il en a marre, bah oui, il en a marre. Bah, puis moi, j'en ai pas marre, peut-être, d'être en cage avec un mec qui a pas de... qui arrête pas de me faire chier, hein, que j'ai pas le droit de péter, ni réfléchir. J'en étais où, moi? Moi, je sais plus, du coup. Je sais plus du tout. Ouais, j'ai parlé de la lune, tout ça, je me suis excusé pour ce que j'ai dit, je me suis emballé dans une vidéo. Je crois pas que tu l'aies vu, mais bon, de toute façon, tu fais ce que tu veux. Obi-Wan, si tu veux aller la voir, vas-y, mais tu vas voir que j'ai rien dit de méchant, hein. Mais je m'excuse quand même, parce qu'on ne doit pas s'emballer, voilà. C'est sûr que comme on comprend quelque chose, on peut discuter, mais moi, vas-y, hein. Voilà. Ouais. Dans le temps, c'était bien pire, et puis j'aurais peut-être même pas fait d'excuses. Oh, je sais pas, mais bon. Disons que dans le temps, j'aurais plutôt arraché la tête. Vas-y. En rigolant, je dis ça évidemment, je l'aurais pas fait, mais. Voilà. Eh bien, Obi-Wan, je te fais plein de gros bisous, et puis je m'excuse encore, et puis voilà. C'est normal que je m'excuse, quand même. Alors, gros bisous, puis bonne continuation. Et puis voilà. J'essaierai de faire plus attention maintenant, hein. Faut que j'améliore ce petit côté-là. Gardez juste mon. Disons qu'il faut que je garde des réserves pour plutôt m'emballer sur Iblis, Ibotécu, plutôt que de m'emballer sur d'autres choses. Voilà. Ça serait mieux. Allez, Obi, je te fais plein de gros bisous. Salut.